Arrêtez de zigouiller. Alors là, ils vont y poser encore 100 questions. Ça ils vont me déranger dans mon émission. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui. La petite musique là que j'ai dans les oreilles, là, c'est troublant. Ça. C'est la musique? Non, ça non. Vous a troublé? Non, non, mais ça m'amène à. J'avais une réflexion. Vous savez, quand j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des grands hôtels parisiens, il y avait à un moment donné une personnalité, un monsieur qui venait depuis 25 ans. Oui. Et un jour, on m'a dit. À votre restaurant? Non, dans un hôtel. On m'a dit, c'est monsieur le juge. Et tous les mercredis, ce juge. Écoutez bien, parce que c'est important, c'est pour ça que je précise, un juge, tous les mercredis, il avait une réunion avec une dame de joie, et il payait en cash, parce qu'évidemment, il ne fallait pas laisser de traces dans l'hôtel. Il pas de chèque. Voilà. Je vous invite, d'ailleurs, si vous consultez votre Paris Match, il y a une interview qui est reprise sur Madame Claude, qui vient de mourir, alors qui était une des grandes maquerelles des 30 dernières années en France, et c'est amusant de lire son point de vue. Et elle se dit d'ailleurs, elle dit, je ne comprends pas pourquoi il paye des fortunes pour un truc pareil. Alors, l'œuf à la coque, c'est-tu 3, 4 ou 5? 5, ça devient un œuf dur. Non, ça dépend si vous le mettez froid dans l'eau. Ah ben oui, c'est sûr. Non, voilà. Mais ce qui est important aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi ce thème, l'œuf? Parce que on a un rapport très différent, nous, avec cet aliment, avec l'œuf, que vont avoir les Européens ou que vont avoir les Asiatiques. Oui. Moi, pourquoi, quand je suis arrivé... Pourquoi les Asiatiques? Mais les Asiatiques, parce qu'ils consomment beaucoup l'œuf de canne, entre autres, l'œuf de 100 ans, ce qu'ils appellent l'œuf dans la cendre, mais ils vont consommer aussi beaucoup d'œufs de façon dans toutes sortes d'alimentations. Les œufs pochés, enfin les œufs caille. Ah oui, dans la soupe, c'est ça, exactement. Ah d'accord. Ceci dit, nous, ici, en Nord-Amérique, on le consomme le plus souvent le matin, le petit déjeuner, au petit déjeuner. Ouais. Et c'est un peu, ça se limite presque à ça. Je dirais, c'est presque dommage, à part l'omelette dans quelques bistrots, quelques restaurants, mais on a complètement occulté certaines préparations qu'on retrouve, vous savez, dans les dictionnaires, on va dire, de Joseph Favre ou d'Escoffier, où il y a à peu près 350 recettes d'œufs, et de toutes les sortes. Je pense à l'œuf poché, l'œuf mollet, dont vous avez fait la C'est pas moi. Moi, je la fais plus blague là. Eux, ils la font encore. J'ai entendu. Dur, pas du monde. Alors, l'œuf brouillé, enfin, il y a des recettes à n'en plus finir. Moi, c'est l'œuf beluga. oui, mais j'aime bien. Là, c'est un peu plus cher chez vous. Mais il y a aussi, on en a fait en même temps, non pas un mythe, mais une reconnaissance, par exemple, au Mont-Saint-Michel, la mère Poulard. Oh, l'omelette de la mère Poulard. 8 minutes donc, à brasser. À brasser, donc à fouetter ses œufs. Exactement. Hein, vous avez déjà mangé cette omelette. Oui. J'ai mangé à la table du général Ramsay, je crois, qui a mangé là en 1944. Excellent Stanley rapport. Ou Ramsay. Excellent ou... rapport qui ferait plaisir à Monsieur Nadeau. 40 euros l'omelette du Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Oui, tout ça pour vous dire qu'il y a l'argent à faire. Ceci dit... Mais comme on dit là-bas, a fait son omelette. Oui, a fait son omelette. Ceci dit, c'est un aliment parmi les meilleurs au monde, qui complète pratiquement tout. Parce que dans l'œuf, hein, il faut bien comprendre, vous savez, il y a des mythes où on dit, faut pas manger trop d'œuf parce qu'il y a du cholestérol, il y a une partie de cholestérol comme dans beaucoup d'aliments, mais pour qu'un chirurgien en cardiologie vous dise, il y a absolument aucun danger, je n'ai aucune hésitation à le recommander à mes malades, à mes patients, donc on ne pose à s'inquiéter du fait du cholestérol. Ceci dit, le chirurgien en cardiologie, il faut faire attention, il en meurt aussi. Il en meurt aussi, mais il y a même qui fume aussi des fois. Oui, c'est ça. Ce qui est, si ce mon qui médecin est arrêtait de boire. Ce qui est intéressant, Joseph... Joël. Ça va bien. C'est à force de manger trop d'œufs. Ce qui est intéressant, Joël, c'est quand on voit cet aliment, les gens ont toujours des questionnements par rapport au temps de cuisson, la conservation. Comment savoir... Moi, c'est vrai que les Français ils laissent les œufs sur la penderie. Ben, parce que c'était une tradition, ça veut pas dire que c'est bien. On a fait ça pendant longtemps au Québec. Attendez, là, vous parlez des œufs qu'ils ont ramassés chez eux dans la basse-cour puis qu'ils mettent là, comme ça. Sur le comptoir de la cuisine. Oui, mais non, c'est pas recommandé. Non, faut pas faire ça. Bon, un œuf, d'abord, faut savoir qu'un œuf a une durée de vie dès l'instant où il est ramassé à peu près 35 jours. D'accord. Quand j'ai une durée de vie, ça veut pas dire qu'il est pas bon, ça veut dire meilleur avant. D'accord. Donc, 35 jours de consommation et toutes les dates sont indiquées, ça je le dis aux gens parce que les gens ne le savent pas, les sur dates sont indiquées sur l'œuf et sur la boîte la plupart du temps. Ah, d'accord. Il y a aussi un mythe qui persiste à croire que les œufs qui sont de couleur on va dire rouge ou foncé en fait brun, parce que dépendamment, vous avez parlé des poules bleues la semaine dernière, il y a aussi des œufs bleus, pas les poules qui sont bleues, c'est les œufs. Oui, il y a des poules de toutes les couleurs aussi. Oui, d'accord. L'œuf brun n'est pas meilleur, c'est juste la variété, c'est l'espèce de la poule qui est brune qui va pondre des œufs bruns, comme la poule blanche va pondre des œufs blancs. Vous êtes sûr? Ah, certain. Pas un peu plus cher? Non, vaches brunes font du lait au chocolat. Ouais, c'est ça. C'est bravo, c'est bien ça. Bravo. Puis même quand on va avoir des
œufs peut-être bruns avec du chocolat dedans, c'est pas vrai. Hein. Pour Pâques. Mais vous avez raison, les œufs bruns sont plus chers. Or, ce que dit Philippe, il a tout à fait raison, la valeur nutritive est la même, le goût est le même. Peut-être que c'est parce qu'il y a moins de poules brunes qui sont plus chères. Oui, voilà, c'est une des raisons. Merci Joseph. Parce que, oui, moi c'est Pierre, hein, pas Joseph, hein. Mais je suis parti des apôtres avec d'accord. Philippe quand même. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors, mais c'est ça. Il y a donc cet intérêt pour l'œuf qui est grandissant dans le monde entier, parce que on se rend compte que finalement, c'est facile d'avoir des œufs. Hein. Il y a aujourd'hui, c'est très réglementé au niveau du Canada, en tout cas en ce qui concerne. Il y a une chose aussi qui n'existait pas et qui existe maintenant. On mire les œufs. Donc tous les œufs sont mirés. Ah, mais moi j'ai connu une mireuse. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce que vous allez me dire là? Non, non. Quelqu'un qui était mireuse. Oui. Mireuse d'œufs. Oui. Comme qui était dans sa jeunesse, qui mirait les œufs il y a 50, 40 ans. On a une question, nous, ici, là. Qu'est-ce que ça veut dire, mirer un œuf? Oh ben, ils sont poches. Regardez, ils sont poches. Ça veut dire ceci. Ouais. On le passe sur un miroir pour regarder à travers, pour voir s'il n'y a pas de traces de poussin ou de germes à l'intérieur. Donc, oui, je suis sérieux. D'où vient le mot, s'il y a deux poussins, le mot mirage? Oui, puis on joue au golf après aussi. Ah, c'est avec, vrai, avec les poussins? Non. Mais on voit que ça a vécu à Westmount. Oui, on voit que ça a vécu. J'ai jamais vécu à Westmount. Mais vous n'êtes jamais sorti avec une mireuse d'œufs? Non, je suis jamais sorti avec une mireuse d'œufs. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de recettes extrêmement intéressantes. Non, je peux te la présenter. Stéphane Garneau, s'il vous plaît. Oui, Stéphane, voulez-vous laisser parler, M. Mollet? Laissez-moi parler, M. Mollet. Allez-y, M. Mollet. Allez-y, Joseph. Oui. Vous, Michel Lacombe, c'était quoi votre chronique, en fin de compte? C'était sur les œufs. Ah, d'accord. Bon, non, ceci dit, c'est un produit intéressant, c'est un produit qu'on peut consommer sans crainte. Oui. Et la plupart du temps, ce que je veux dire, c'est que les gens sous-estiment la quantité de recettes qu'on peut faire avec des œufs. Et c'est surtout absolument ce qu'on peut y ajouter. Une omelette aux patates. Ben, une omelette regardez, goûtez à ce que je vous ai préparé. Là. L'œuf poché, avec un petit sabayon moussant à l'estragon, avec une pointe d'anchois. Mais vous voyez, il doit rester coulant. Voilà. Oh, vous êtes et bon. C'est ça l'intérêt. Alors, comment vous l'avez fait? Comment on fait? Alors, ben, tout simplement, il faut des œufs. Hein. C'est bon, ça? Non. Merci, Joël. Non, mais c'est bon, froid quand même. Il faut casser les œufs de façon séparée. Ça, c'est important. Vous les mettez dans un récipient. C'est-à-dire que vous ne les mettez pas tous ensemble pour les pocher en même temps. Donc vous les mettez chacun dans une tasse ou dans un récipient. Ça fait beaucoup de vaisselle. Vous faites frémir l'eau. Oui, merci. Vous faites frémir l'eau, ça veut dire à juste ébullition, l'eau salée avec une touche de vinaigre. Et là, vous commencez donc à pocher vos œufs pendant 2 minutes et demie. À peu près. Vous les pochez dans l'eau. On tourne un peu pour faire un tourbillon dans l'eau. Là, vous pochez vos œufs, vous rabattez le blanc par-dessus, et ensuite, vous les égouttez. Soit vous les mettez dans l'eau froide, ou vous les égouttez. Puis là, après, bon, vous ajoutez toutes sortes de recettes. Moi, j'ai fait un sabayon mousseux. Oh, c'était bon. Mais il y a des choses intéressantes à faire. Mais en fin de compte, il y a une chose que j'ai apprise il n'y a pas longtemps. Ça, c'est niaiseux, mais j'ai lu ça dans un grand livre de cuisine. Les gens qui font une omelette, une vraie omelette, ils séparent les jaunes et des blancs. Et ils fouettent les blancs. Et ils fouettent séparément. Oui, tout à fait, pour rendre les trucs plus mousseux. En terminant, ce livre dont je pensais au départ que c'était encore un livre de régime en plus, comme puisque vous en avez parlé la semaine dernière, très intéressant, c'est fait par une scientifique, et c'est pour les gens qui ont des syndromes du côlon irritable ou qui ont des problèmes. Non, mais c'est vraiment intéressant, Joël, parce qu'il y a plein, il y a 75% des gens qui ont des problèmes au niveau du côlon irritable ou de la digestion, et je recommande ce livre parce qu'il est extrêmement intéressant. Faudrait donner le titre, par exemple. Ça s'appelle La solution Food Map. Et c'est sur le site de M. Le Bigot. Et de toute façon, sur Facebook. Je ne suis pas un colon irritable, je suis un animateur. Allez-vous-en, espèce de Vendéen.